Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Kai et je vous retrouve sur HOI4 avec la Pologne communiste. Alors je rappelle que toujours en guerre contre les alliés, hein. Le fils de Yinche. Bon! Bon, dans ce cas-là, je ne voterai. Non, rien qui est débloqué pour l'instant. Attends, je suis en guerre contre qui? Je suis en guerre contre tout le monde. Voilà. Et plus ou moins, qu'est-ce que ça change? T'as pas un général qui est super bon en défense. Toi, tu veux être bon en défense. Allez, ramène-toi ici. À regarder la frontière, hein, très vite. Voilà. Hop. Et lui ici, je change de couleur, je vais le mettre en par exemple en vert moche. Je rajoute comme ordre de garnison. Voilà. Garder les côtes, ce sera bien. Voilà. Donc j'ai pas une grosse flotte et ma flotte, pas. Pour l'instant, on va pas se mentir. Je suis en train de c'est fait. Il faut les deux, fait chier. On va lancer ça, hein. On va faire priorité en masse, construire du navire. Il manque des éléments. Alors, par contre, les Allemands qui font des trucs contre moi, je crois que je sais pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils font leur arbre. C'est sans doute leur arbre, mais je pense pas qu'ils vont être cons au point d'avoir un nouvel ennemi avec le Comintern. Il faudra, ce sera que l'Italie commence à fumer la France. Ils ont bien avancé les Grétales, hein. Très bien, très bien. Il tape les mecs, très bien. Le RSS galère. Putain, le RSS, tu galères. Sérieusement, pourquoi t'as fait ça, le RSS? J'ai ça, son... Ouf. Ils sont rejoints les alliés, mais ils sont pas encore en guerre avec le Comintern. République communiste du Mexique, là. République soviétique du Mexique, carrément. Herman Laborde. Trotskiste dévoué, putain. Danzig ou la guerre? Ah! Non, je vais faire foutre. Il a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre, hein. Évidemment qu'il a déclaré la guerre. Alors là, honnêtement, j'ai tenté de me sauver le cul. Mais on va pas se mentir, ça va être très très compliqué. Ah, et quel dommage que les alliés soient venus casser les burnes. Pourquoi vous avez fait ça, les alliés? Pourquoi vous êtes venus nous emmerder? Je veux dire, une guerre pour la Lettonie, pourquoi vous n'avez pas plutôt préféré vous focaliser sur le Reich?
Il y a par contre au sud, le pire c'est qu'il n'y a personne d'ailleurs en plus là au sud. Quelques Russes, mais bon, ce sera jamais suffisant. Là, on peut juste encaisser. Bon bah vous êtes prêts, là la guerre est perdue. Hein. Casse les couilles les alliés, franchement. L'armée russe, là, c'est maintenant que tu veux intervenir, hein, qu'il faut venir. Vous me filez un coup de main les Russes, hein. Oh, ils sont encerclés les pauvres mecs là. J'ai ça sans guerre contre l'Allemagne. Parfait. Moi je sais pas de nos que j'ai ça. Hein. Baiser là. Les Russes faut rappliquer là. Je peux pas venir. Les Russes, youhou. Tout ça pour la Lettonie. Tout ça pour la Lettonie, franchement. Putain, vous étiez obligés de venir les alliés. On peut pas juste signer une paix avec vous là. Voilà, c'est bon, c'est baisé. Voilà, voilà. Je vais regarder ce qui se passe pour le reste de l'épisode. Ils sont pas l'air de voir tellement venir, hein, mais bon. Pfff, une merde. Pologne. Putain. Désastre. Et voilà. Bon bah voilà, hein, c'était la fin de la série. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis au revoir et à la prochaine. Je sais pas ce que je vais faire, peut-être les Bulgares. Allez, salut tout le monde !